Donc les amis, merci beaucoup pour vos prières, merci pour euh, votre soutien, parce que de la même manière que vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vos prières si on veut que, que l'Église fonctionne. Euh, et puis vous avez raison de nous bénir en tant que couple, parce qu'en fait l'Église dépend de notre couple. Toute l'Église que vous êtes dépend de la santé de notre couple. Donc en fait, vous avez vraiment tout intérêt. À, à prier pour notre couple, parce que c'est comme prier pour, euh, pour vous-même, en fait. Et euh, quand vous avez un... C'est comme des enfants qui ont des parents qui s'aiment, ils sont au bénéfice de cet amour, directement. Et, euh, et c'est important, en fait, de comprendre les interconnexions qu'il y a entre euh, nous, l'Église, parce que, comme j'aime dire souvent, et ces derniers temps, je l'ai souvent répété, euh, la vie sort de la communion. C'est de la communion que sort la vie. C'est pas une addition de personnes. C'est pas un homme plus une femme égale la vie. C'est la communion d'un homme avec une femme qui produit la vie, ce qui deviennent une seule chair. Et c'est une communion d'intimité. C'est une communion de cœur et de corps. C'est clair. Mais je veux dire, c'est cette communion. Qui fait sortir la vie. Donc aujourd'hui, c'est notre 23e année de mariage. Oui, 23e. C'est facile à compter parce qu'on s'est mariés en l'an 2000, quand nous nous attendions à la fin du monde. Vous savez le bug de l'an 2000. Nous nous sommes mariés, on s'est dit c'est le dernier moment. Non, mais c'était déjà l'an 2000, c'était déjà passé en fait. C'était en juillet. On a survécu au bug de l'an 2000, donc nous sommes ici. Et puis après, on a eu six merveilleux garçons. Euh, donc, ça, c'est le fruit de notre communion. Oui, tu veux dire non, juste qu'on ait une demi-heure, on ne va pas avoir le temps de faire toutes les explications. Non, mais je fais juste une petite introduction. Donc, c'est comme ça fait 23 ans qu'on est mariés euh, et qu'en fait, on considère que c'est une fondation. On avait envie de vous partager aujourd'hui. Parce que c'est un jour particulier, hein c'était la Gay Pride à Annecy. Et puis, euh, oui, et puis nous, on aimerait euh, euh, juste rappeler la fondation euh, de l'ordre divin dans la famille, parce que c'est quand on suit les commandements de Dieu, c'est là qu'on est au bénéfice de la bénédiction, de la vie, de l'abondance, de la prospérité, en fait. Dieu, dans sa bonté, il nous donne des commandements il nous dit attention, genre, t'es un enfant, si tu touches la plaque, tu vas te brûler. Donc, toi, tu as, as le droit de toucher la plaque, mais si tu la touches, tu te brûles. Et non, avec les commandements de Dieu, c'est la même chose. C'est par amour qu'il nous donne ces commandements. Donc, il nous dit je vais juste lire ce petit passage dans Éphésiens, parce que des fois, il n'est pas très bien compris. La Bible, la Bible que voici, j'espère que vous avez tous une Bible, c'est un mode d'emploi euh, pour connaître Dieu, certes, mais c'est surtout Dieu qui nous dit comment être heureux. Si on suit les commandements de Dieu, on est heureux. Et en fait, c'est ce que tout homme, toute femme cherche, c'est à être heureux. Oui ou non Être heureux avec ses enfants, avec son mari, dans, dans sa famille. Pourquoi on parle de famille tout le temps Famille, famille, famille. C'est parce que c'est euh, la première cellule de la société. Si on néglige la famille ou si on change l'ordre de la famille, euh, toute la société sera détruite dans très peu de temps. Très peu de temps, hein, c'est hein, mathématique, logique. Donc euh, les ténèbres couvrent la terre, Ésaïe 61, mais sur toi ma gloire est en train de briller. Et puis cette gloire, elle est faite pour rétablir l'ordre dans la famille. Donc je lis rapidement Éphésiens 5, 22. Ça c'est l'ordre pour les femmes et les maris. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc déjà, on voit que c'est une ordonnance pour la femme, donc on met un ordre, et puis que tout de suite, le couple est comparé à Christ et l'Église. Donc c'est quelque chose de hyper important, en fait, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est la fondation. Et euh, après, c'est écrit au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous pouvez dire Amen, les hommes. Hein Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. À nouveau, il compare l'homme et la femme à Christ et l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Encore une fois, il fait la comparaison. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc là, il y a déjà une différence entre l'homme et la femme. Le mari, il a besoin d'être respecté par sa femme. La femme, elle a besoin d'être aimée par son mari. Euh, ça, c'est l'ordre divin. Le, le mari, c'est le chef de la famille. C'est le chef de la femme. Mais ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire qu'il doit être prêt à mourir pour elle. Vous m'avez entendu Quand on est chef, comme Christ, c'est le chef, c'est-à-dire la tête de l'Église. Il est mort pour elle. Et un homme, c'est le chef de sa femme. Mais ça veut dire qu'il doit être prêt à mourir pour elle. Donc, il faut comprendre les ordonnances de Dieu. Quand Dieu donne des responsabilités, c'est toujours, vous savez, le premier, les premiers sont les derniers, les derniers sont les premiers. Quand Dieu donne une responsabilité, c'est toujours pour servir. Et ça, il faut le comprendre parce que quand les femmes, elles entendent Femme, soyez soumises à votre mari", on crie, mais on oublie de lire la suite. Il y a plus d'exigences chez l'homme que chez la femme parce qu'il y a plus de responsabilités chez l'homme que chez la femme. Et c'est ensemble qu'on représente Dieu. Julien, il ne peut pas représenter tout seul Dieu. Moi, je ne peux pas représenter tout seul Dieu. Comme Julien pourra difficilement élever des enfants toute seule, comme moi, je pourrais difficilement élever des enfants toute seule. Les disciples et des enfants, ils ont besoin d'un papa et d'une maman. Ils ont besoin des, des deux facettes de Dieu pour grandir. Julien Duby. Toi, tu as plein de choses à dire sur le couple. Parce que c'est un professionnel du couple. Il a... Il a des parents qui malheureusement sont divorcés, mais, ça lui a... mais Dieu l'a appelé pour euh, les couples. Il fait des préparations au mariage. Non, mais il y en a qui ne te connaissent pas. Je oui, te oui. Mais il aime le couple. Vous devriez vous dire, enfin vous vous dites certainement, vous euh, <laughs> vous dites certainement, <laughs> bon, vous vous dites certainement, mais là, il nous... Il y a lève-toi la semaine dernière. J'ai prêché sur l'alliance, là on reprêche sur le couple. Qu'est-ce qu qu'ils nous veulent, quoi <laughs> Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent Et puis, je vous assure qu'on n'a pas d'agenda, mais, mais je crois vraiment que Dieu est en train de, de mettre le focus sur ce qu'il a de plus cher, sur ce qu'il a de plus précieux. Parce que vous avez bien compris que la, la, finalement, il la, y a quelque chose. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment. Voilà. Dieu est amour. Il a déversé son amour dans l'homme et la femme. Et puis, alors que il l'a fait, euh, quand il a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'aiment, il avait un projet euh, depuis le commencement qui n'a pas changé. Et puis, aujourd'hui, en 2023, quand on est dans le cortège de la Gay Pride, on, on est là en train de dire, certains sont en train de dire, ouais. Euh, moi, de toute façon, euh, euh, si je veux aimer mon semblable, c'est bien mon droit, et c'est vrai. Euh, si je veux, euh, finalement, faire de ma vie une, une vie stérile, c'est mon droit, et c'est vrai. Si je veux que mon corps m'appartienne, c'est mon droit, et c'est vrai. Mais toutes ces réalités-là euh, ne produisent pas la vie et ne, se, ne, ne collent pas avec la nature même de Dieu, de ce que Dieu veut précisément, son désir le plus profond, quand il voit sa création. Quand il voit sa création, il voit la multiplication, il voit la gouvernance, il voit ce qu'il a demandé à Adam et Ève de vivre et de faire. Et nous, on est baignés dans un jus où finalement, moi j'observe hein, quelqu'un qui veut acheter une voiture, il va passer six mois sur tous les tutos, les comparatifs, les comparateurs, les machins pour savoir combien il consomme, combien, comment je peux avoir un prix, machin, truc, tout ça. Mais par contre, pour se marier, il le fait en deux deux. <laughs> mais pour une voiture, il ne fait pas ça. Et il y a un problème quand même. Et on prend des décisions, c'est-à-dire on, on façonne notre vie autour de besoins. <laughs> Les mêmes, hein. toujours quelque chose qui est orienté sur moi-même, parce que c'est vrai que j'ai des besoins, et c'est vrai que j'ai des envies, et c'est vrai que j'ai des désirs de réalisation. Et, et toutes ces choses-là, elles sont vraies. Who cares? <laughs> vrai. Et alors, dans le sens, et alors, parce que Dieu, il, il a été assez clair, en tout cas pour ceux qui y croient. Et ceux qui ont accepté Jésus, il a dit Donne-moi ta vie. Donc, à un moment donné, il a sélectionné une bande de, de gens qui s'appellent des chrétiens, qui, par leur définition ou parce qu'ils disent d'eux-mêmes T'es quoi, je suis chrétien ben, Tous ceux qui s'en réclament ont déjà commencé une première fois par donner leur vie. C'est un postulat de base, c'est comme ça que Dieu voit l'entrée dans la vraie vie. C'est ça, c'est comme tu arrives devant Disneyland, Disneyland Paris, puis tu arrives au guichet, puis c'est pas 75 euros l'entrée, c'est donne-moi ta vie. <laughs> c'est comme ça, et tu passes au guichet et ta vie t'appartient plus. Donc il a comme donné le ton. À un moment assez précis, c'est-à-dire au début de la relation, mais c'est là où vous, déjà vous m'avez perdu, parce que vous dites oui, non, mais il dit donner la vie, mais on donne ce qu'on veut finalement, c'est vrai. Je garde de côté ce qui m'arrange bien, c'est vrai. Et tu peux faire pareil avec ton couple. Tu peux faire pareil avec ta femme. Tu peux faire pareil avec ton mari. Pour autant. C'est pas le projet. Donc on doit tous. Et là, il y a ceux qui disent Ouais, mais moi je ne suis pas marié. Oui, mais tu es chrétien. Donc le projet dans lequel Dieu est en train ou t'a invité dès le commencement, c'est celui de dire que ta vie ne t'appartient plus. <laughs> ben oui Mais je sais, que ça, je sais que ça frotte un peu. Parce qu'on est tous. Et moi, et Sandra, on est tous au même endroit, c'est qu'on essaye de le faire, on essaye de le vivre, on essaye de, de donner tout à Jésus. Le, on essaye, et c'est un chemin, c'est pour ça qu'il s'est appelé comme ça, je suis le chemin. Il est gentil, hein il a même annoncé aussi dès le commencement, Donne-moi ta vie, je suis le chemin, ça prendra long devant le portique. Avec la, le château de la Belle au Bois, euh, <laughs> vivante au fond. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'il n'y a, y a pas de plan B. Et, et j'observe que chaque fois qu'il y a une crise de couple, c'est qu'il y a quelque chose de moi que je retiens et que je veux garder pour moi-même. Chaque fois que tu as une crise de foi dans ta foi avec Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as vu que tu as bien identifié et que tu as dit, ça, il le verra même pas. Mais oui, on est bête à ce point-là. On pense que Dieu ne le voit pas. Comme moi, je suis bête de penser que ma femme ne le verra pas non plus. Un jour, ça apparaîtra, c'est sûr. Parce que la vérité, elle est faite pour éclater. La vérité, elle ne peut pas euh, se contenir dans aucune boîte aucun fond de tiroir, aucun coffre-fort. Pourquoi Parce que la vérité, c'est Jésus. Et Jésus ne se laisse enfermer dans rien. Donc vous comprenez bien que quand il y a des défis de couple qui, sont, qui, qui se présentent à vous, et vous verrez que c'est intéressant parce que si je dis qu'une des vertus du couple, ce serait par exemple la fidélité. C'est vrai ou c'est pas vrai Oui, la fidélité, c'est une vertu dont le couple a besoin. S'il n'y a pas de fidélité, le couple y meurt. C'est un engagement. Mais de la même façon, si je suis infidèle à Dieu, ma relation à Dieu n'aura pas de puissance. Je vais briller d'une certaine facette, mais l'ennemi va immédiatement identifier la facette qui ne brille pas. Que ça s'appelle une porte ouverte pour lui. C'est-à-dire, vous imaginez une boule à facettes, D'accord Toutes les portes sont fermées, c'est une boule à facettes qui brille de mille feux. Si tu as une facette qui est ouverte, elle brille plus. Vous voyez le miroir, il est ouvert. Il brille plus, c'est d'accord Donc là où tu ne brilles pas, c'est une porte ouverte. Tu ne reflètes pas la lumière. D'accord donc c'est d'essayer d'identifier toutes les zones de nos vies où, euh, où, on, où finalement on manque de brillance, on manque de pouvoir refléter sa lumière. Et partout où moi je ne peux pas briller, c'est où Sandra ne peut pas euh, se refléter en moi. Je ne suis pas Dieu, hein c'est ok Pour autant, dans notre alliance à nous, on doit manifester Dieu c'est notre rôle, c'est-à-dire on doit être à l'image de Dieu, c'est-à-dire on doit être cette personne plurielle qui manifestons le mieux possible Dieu sur Terre. Bon. Je peux te dire un oui. truc Parce que c'est intense ce que tu dis, mais c'est la vérité. Il faut bien l'entendre, parce qu'avec Jésus, quand on s'engage, il faut savoir dans quoi on s'engage. C'est pour ça qu'il nous dit euh, « Comptez la dépense » avant de rentrer. Comme l'homme riche, il n'était pas prêt, lui, à suivre Jésus. Parce qu'il devait renoncer à tout. Donc c'est ça, donner sa vie à Jésus, c'est renoncer à tout. Le suivre, ça ne veut pas dire qu'il va nous dépouiller, mais ça veut dire qu'on doit se rendre totalement vulnérable, on doit se jeter dans bon, ses bras. La bonne nouvelle, c'est que lui, de toute façon, s'il avait dit oui à Jésus, euh, et il avait gardé l'argent, sa femme se serait occupée du reste. C'est un gag, ça. Il faut préciser ce tu ah, un gars, un gars. Il faut bien vous détendre un peu. Donc, ce qu'on ce qu aimerait, en tout cas la révélation qu'on a, c'est que le couple, c'est vraiment une école à l'amour. C'est un ministère en soi, le couple. C'est apprendre à aimer. Hein. On dit souvent que le but d'une vie, c'est d'apprendre à aimer. On est d'accord L'amour donne tout. Donc, il donne sa vie. Comme le père, il nous a tellement aimés qu'il a donné son fils. L'amour, c'est toujours un don. Et puis, on, on se rend compte que dans un couple, si on veut que notre couple fonctionne, on doit se donner l'un à l'autre. On ne peut pas vivre égoïstement et avoir un couple prospère. C'est impossible. On doit se donner l'un à l'autre. Donc, moi, quand j'ai commencé à devenir une femme, puis une mère, je me suis vite rendu compte que ma vie ne m'appartenait plus. Et que, et que je devais trouver en fait ma satisfaction, mon bonheur, dans le fait de... Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir, les amis. C'est une réalité. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Et puis en fait, quand tu donnes, à un moment donné, tu reçois. Tout ce que tu sèmes, tu le reçois. Quand tu sèmes dans la vie de tes enfants, quand tu sèmes dans la vie de ton mari, ça te revient. Il y a une récompense. Parce que c'est les principes de Dieu, c'est les principes de l'amour, et c'est ce qui fait, pour t'assurer d'avoir la nourriture dont tu as besoin, tu dois semer. C'est un principe. Tu veux récolter du blé, il faut que tu sèmes du blé. Et il faut que tu sèmes quand tu vois rien. Par la foi, tu sèmes des graines, et ça ne va pas revenir des graines, ça va redevenir du blé. Ou autre chose. Ça, c'est pour, plus pour les ados, les pré-ados, ou même les enfants, ou les jeunes, ou ceux qui sont, tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Dieu, il a quand même bien fait les choses. Vous savez, dans la tradition juive, à l'âge de 13 ans à peu près, on fait sa bar mitzvah, c'est-à-dire qu'on fait cette, ce passage entre la foi des parents, c'est-à-dire je vis au travers de la foi de mes parents. Je ne suis pas comme majeur dans ma capacité d'être en relation à Dieu, avec Dieu. On a vu, Jésus, il était un peu plus précoce, à 12 ans, il était au temple, il enseignait. Mais le commun des mortels, là, euh, c'est à peu près à cet endroit où on fait notre, notre, notre émancipation, si on veut dire. Et puis, à partir de là, on commence à... Donc, on est juste prépubère, hein, on n'est pas encore à, tout à fait à l'endroit de, de la puberté. Bon, vous me direz, ça, ça varie, mais... Et puis c'est à cet endroit-là où, où je deviens euh, dépendant de ma marche avec Dieu. Et l'intérêt de cette marche avec Dieu, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, c'est un endroit parfait pour tester cette, rela cette relation d'alliance, c'est-à-dire de me donner tout à l'autre. Mais l'autre, c'est Dieu. L'autre, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est celui qui faillit en rien. Comprenez, c'est celui qui ne faillit en rien. Donc, je suis en train de tisser une alliance avec l'époux parfait, avec l'épouse parfaite, Dieu. Et puis, je marche comme ça. Puis, je vois que je m'abandonne à lui, je vois que je fais des projets avec lui et qu'il est fidèle, qu'il est honnête, qu'il est stable, qu'il est, est le rock, qu'il est intègre, qu'il est euh, vrai, qu'il est toutes ces choses-là. Et je fais mon école de l'alliance avec lui, avant de faire l'école d'une autre alliance avec quelqu'un qui a rien à voir, qui est complètement imparfait. Toi. Non, mais par rapport à Jésus, genre, t'as plus de piles en oh, main. J'ai plus, j'ai jamais des piles. Non, mais pour dire avec l'autre qui n'est pas complètement imparfait, mais qui va avoir des imperfections. Donc ça veut dire que c'est sûr que c'est plus facile de faire alliance avec Dieu qui lui est redoutable que avec quelqu'un qui est redoutable dans certains aspects et pour d'autres moins. Non, il faut être ah, c'est l'heure. Merci. Encore trois minutes, s'il vous plaît. Et pourquoi je dis ça, c'est ce de comprendre l'ordre divin. Parce que nous, bien sûr, qu'on rencontre Dieu à 47 ans, après deux divorces, euh, une moitié de vie euh, addicte à la pornographie et 10 ans dans l'alcoolisme. Mais tu rencontres Dieu, puis Dieu est bon, il y a des, il y a des grâces, il y a des... Dieu il fait des choses extraordinaires, il fait des miracles, par sa miséricorde il fait des choses. Mais faut comprendre que là où j'en suis, c'est-à-dire que c'est complexe. De rentrer dans une alliance, dans ce projet de l'alliance, où, euh, où je vais devoir, enfin, pas je vais devoir, mais je fais le choix de marier avec quelqu'un avec tout mon background, tout mon arrière-plan de personnes blessées, trahies, abusées, euh, désillusionnées, euh, toutes ces, toutes ces, ces murs, tous ces, ces, ces filtres qui m'empêchent de rentrer dans quelque chose que Dieu avait prévu de magnifique. Euh, comme ça devrait être, c'est-à-dire un homme, une femme qui s'aiment, qui engendrent des enfants, qui les font grandir dans la présence de Dieu et dans la crainte de l'Éternel, qui les enseigne selon la parole et qui les lance dans, dans la vie. Et c'est ça leur background. Ça ne veut pas dire que c'est tout parfait. Mais c'est ça leur background, ils ont une communion avec l'éternel, ils savent que Dieu est bon, ils savent que Dieu est bon, ils savent que Dieu est bon et c'est suffisant de savoir que Dieu est bon et ça leur donne une envergure de se déployer, de faire confiance, de, de, de rebondir, d'être dans la foi. Et puis ensuite, ils engagent dans une alliance et dans laquelle ils, ils engagent vraiment. Vous voyez un peu le, la différence entre deux cas de figure alors on ne va pas se lapider en se disant ⁇ Ah ben j'ai tout raté ⁇ Non, Dieu est bon encore. Ça, lui, il ne change pas. Mais pour qu'on arrive à, à saisir le grand écart qu'il y a entre le plan que Dieu a parfaitement pour nous et puis par, par, laquelle, par la, porte, la porte par laquelle on entre dans une alliance, dans notre foi, et que des fois, tout est à reconstruire. J'aimerais juste dire quelque chose. Tu parles de, à 47 ans, un divorce. Pornographie, alcoolisme, mais c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, tu peux avoir 15 ans et tu peux avoir un passé d'abus, de viols, de drogue. Tes parents divorcés et puis ton cœur a été brisé 50 fois déjà à 15 ans. Donc on est conscient, tu n'as pas besoin d'attendre 47 ans pour avoir une vie brisée, hein. ça peut venir très tôt. Des abus dans l'enfance, toutes ces choses-là. Et puis effectivement, c'est des choses que tu t'amènes dans ton mariage. Et puis c'est la même histoire. Si tu attends que l'autre comble, si chacun des deux attend que l'autre le comble, et eh ben qui va combler au final les deux Donc c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre que pour tenir une alliance, il faut que chacun d'entre nous soit guéri de cœur et délivré de tous les droits que l'ennemi a sur nos vies. On doit tous passer par cette machine de guerre de guérison et de délivrance, quel que soit notre âge pour pouvoir réussir dans notre alliance parce que euh, notre époux et notre épouse ne pourront jamais être ceux qui nous comblent ceux qui nous guérissent ceux qui alors bien sûr qu'il va falloir choisir le bon parce que déjà si tu n'es pas guéri délivré tu vas choisir encore un autre persécuteur tu vas choisir encore une femme qui te contrôle tu vas faire des mauvais choix donc déjà pour faire un bon choix tu dois être guéri délivré pour avoir des yeux ouverts des oreilles ouvertes tu dois être guéri délivré et puis après, bah avoir la compréhension que c'est d'abord sur Dieu que tu comptes pour être capable d'aimer l'autre et chacun. Et c'est comme ça que ça peut ouais. fonctionner. Ouais. Il y a un postulat, et on est en Haute-Savoie avec une, je dirais, pas, pas pour tous, mais il y a quand même une réalité où on est dans un des départements avec le plus grand pouvoir d'achat. Bon, ben merci Seigneur, magnifique. Mais. Vous devez, et c'est l'exercice que je vous, je vous demande, c'est un exercice introspectif, et de vous poser la question, quelle course est-ce que vous êtes en train de faire quelle, quelle course est-ce que vous êtes en train de courir Parce que c'est sûr qu'il y a une pression sociale qui est redoutable. Le, le, la, tout ce qui correspond à, 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 à l'élévation dans le sens social, financier, euh, d'avoir de la réussite. D'avoir plus, plus grosse voiture, plus grosse maison, plus grosse ci, plus grosse ça, plus. Et, et, et ça nous guette tous. C'est-à-dire, on est tous euh, sous ce même joug. Et par contre, on est plus ou moins sensible à cette réalité-là, mais on l'est tous. Et la question qu'on doit absolument devoir. Ce qu'on doit se poser, c'est je cours après quoi Parce que la course à laquelle Dieu nous demande, c'est d'être heureux en amour, dans le sens, pas en amour avec eux, hein, mais c'est d'être heureux de notre mariage, d'être certain de vouloir nous donner entièrement à l'autre et à nos enfants, jusqu'à ce qu'on puisse les libérer et qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. En fait, il n'y a pas un autre projet. Parce que si vous construisez votre vie en disant, OK, il va falloir que je bosse tant pour rembourser ma maison, ma piscine, ma voiture, mon voyage, mes machins, mes trucs. dire votre esprit, il n'est pas aligné à la bonne euh, fréquence. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de profiter de la vie. Nous, on est bénis, on, on, on a été bénis on, on est, et on le reconnaît. Mais si demain Dieu me demande de tout abandonner, je le ferai à nouveau. Parce qu'on l'a déjà fait, on le fera à nouveau. Parce que notre objectif n'est pas une élévation sociale. Notre objectif, c'est une profondeur dans notre relation ensemble qui coule sur nos enfants. Et Dieu nous a donné la grâce de pouvoir conduire cette Église et on le fera avec ceux qui veulent bien euh, nous suivre dans le sens, euh, pas nous, mais la vision qu'on porte. Et cette vision pour la famille, cette vision pour... Rien d'autre que ce que Dieu nous appelle à, à être, c'est un homme, une femme qui s'aiment dans une alliance qui s'appelle le mariage, qui engendre des enfants. Le, le mandat, c'est-à-dire ce que Dieu a dit à Adam et Ève quand il les a créés, n'a changé en rien. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est difficile à saisir aujourd'hui parce qu'il y a une, une, une multitude de parasites. Au milieu de ça, quand je dis de parasite, c'est-à-dire de brouillage, de brouillard. Mais l'invitation que j'aimerais vraiment à laquelle je, que j'aimerais vous faire, c'est que pendant ces temps de vacances, pas intellectuels, mais de repos, c'est de vous nourrir de la parole de Dieu, de vous nourrir de, de des projets que Dieu a pour vous, de vous placer dans la chambre. Euh, d'intimité, vous fermez la porte puis vous dites, Seigneur, rappelle-moi pourquoi j'ai été créé. Dis-moi, et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être un grand entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projets qui peuvent prendre de place à côté de cette priorité qui est celle de construire une alliance qui, que Dieu vous demande. Mais c'est la question de qu'est-ce que tu mets avant quoi Comment tu priorises Comment tu comment tu agendes ton, ton agenda Comment tu mets euh, combien d'heures tu consacres à ça en, euh, en, en en rapport avec quelque chose d'autre Et c'est pas de faire de vous des des moines et des nonnes parce que je crois qu'on peut vraiment être hyper impliqué dans la société, être un hyper bon mari ou un, une hyper bonne épouse et un hyper bon papa et une hyper bonne maman. Mais il y a des temps. Moi, je vous assure, il y a plein de choses que je rêve de faire. Il y a plein de choses auxquelles j'ai renoncé. Il y a plein de choses que j'aimerais pouvoir m'acheter. Il y a plein de trucs que j'aimerais pouvoir vivre. Ma, propri... ma, pro... ma priorité, pardon, ma propriété. Ma priorité, c'est mon épouse et c'est mes enfants. Donc, je ne fais rien, mais rien, de ce qui déroge à cette réalité-là. Est-ce que ça me coûte Oui. Est-ce que j'ai des envies Oui. Est-ce que je suis frustré Oui. Est-ce que ces frustrations, ça me fait rêver Oui. Mais je sais qu'il y a un temps. Et s'il si n'y vient pas ben Il ne vient pas. Mais au, au moins, j'aurai aucun regret. Ben je vous assure que ce que regrette un homme ou une femme sur le lit de sa mort, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec ceux qu'il aimait c'est de ne pas avoir fait les bons choix quand c'était le moment de faire les bons choix. C'est ça qu'il regrette. C'est la famille. C'est la famille. Ce n'est pas les trucs qu'il n'a pas eus. De toute façon, ça rouille. Ça rouille. Donc c'est une bonne Je saison, les, 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 le, le repos pour se questionner là-dessus, et pas de se questionner individuellement. Alors, chérie, tu t'es questionnée Non. Se questionner ensemble, construire cette réflexion, élaborer, pas laisser les, les, les circonstances vous accabler. Parce que, en fait, Dieu, il a un projet commun. C'est-à-dire quand il, a, quand il appelle Dieu, c'est jamais de manière individuelle. C'est toujours connecté avec une équipe. C'est connecté avec ton mari. Donc il y a un appel de Dieu sur le couple et sur la famille. Vos enfants, irrémédiablement, ils vont poursuivre l'appel que Dieu a placé sur vous. Irrémédiablement, votre appel est connecté à celui de votre mari. Moi, je pensais écrire un livre toute seule. On m'a dit tu dois l'écrire avec ton mari. Et il sera 50 fois plus puissant en l'écrivant avec mon mari que toute seule. Dieu n'appelle jamais des individus tout seuls, toujours en équipe, en famille. Donc cet été, comme le dit très bien Julien, commencez à rêver avec votre mari, avec votre femme, et essayez de discerner quel est le plan que Dieu a pour vous. Parce qu'il est commun. Il est commun, les amis. Il est commun. Donc tu peux essayer d'aller tout seul dans ton coin, ça va jamais prospérer et ça va jamais te, te, te combler. Et c'est l'effort de travailler en équipe, c'est l'effort de se rejoindre, parce que c'est de la communion qu'émerge la vie, de rien d'autre. Et c'est ce que déclare, c'est ce que prie Jésus dans Jean 17, verset 22, quand il dit, Père, faites qu'il soit un. Père, fais qu'il soit un comme nous sommes un, pour que le monde sache que tu m'as envoyé. Donc Dieu attend pas juste que toi et ton épouse puissent produire quelque chose, mais il veut que l'Église puisse émerger en une entité pour que le monde sache que Dieu existe. Donc pense à tout ça, avec ton mari et ta femme. Et si as pas pense de à te marier aussi. Et de femme, c'est ça, c'est prends cet été. Pourquoi pourquoi est-ce que, euh, enfin, pourquoi est-ce que je suis célibataire C'est pas ça la question. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche Est-ce que mon cœur est fermé à l'autre genre Est-ce que, et puis de faire ce travail-là, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il n'est pas bon pour l'homme, l'humain, d'être seul. C'est pas réservé, c'est pas une déclaration qui est réservée à l'homme mal. mais c'est parce que, et c'est pas un péché le célibat. C'est juste qu'il une, il y a une, y a une, une un cadeau que Dieu veut faire dans l'alliance. Il y a un cadeau exponentiel. Il y a une puissance de vie dans le fait de, de, de célébrer une alliance. Et puis c'est à ça que vous êtes appelés. Alors maintenant, pour les jeunes qui ne vont pas se marier demain, il y a une bénédiction dans le célibat. C'est l'endroit que je décrivais tout à l'heure où l'alliance que vous avez faite avec Jésus... C'est de tester cette alliance et vous verrez que celui qui a un problème, c'est vous, c'est pas l'autre. C'est-à-dire, c'est pas Dieu. Et dans votre mariage, ce sera la même chose. Celui qui a un problème, c'est pas l'autre, c'est toujours vous. Et ça, c'est un tips à 5000 euros. Ah, il y me dit oui, mais tu sais, il y en a qui sont graves. Hein. <laughs> ok. C est, c est, il faut mieux. Okay. Ça, c'est si vous avez mal choisi. <laughs> il faut bien choisir son partenaire d'alliance, parce que c'est le choix le plus important de votre vie après avoir choisi Jésus. Donc, il faut être possiblement restauré guéri avant de faire ce choix pour que vous fassiez un choix selon Dieu. Et quand c'est selon Dieu, ben, vous pouvez euh, être sûr que vous pouvez vous battre jusqu'au bout. Mais on voulait finir peut-être cette session, -là, vu qu'on a 10 minutes où on doit partir. Hein. Ouais, nous on a un date là. Ouais. Donc, euh... Mais on voulait vous laisser l'opportunité de euh, que Dieu puisse guérir vos cœurs, que Dieu puisse vous redonner une espérance pour votre couple, puisse vous donner une espérance pour vous marier peut-être à nouveau, trouver un partenaire si vous êtes jeune puis déjà dépité. Que Dieu vous redonne l'espérance, que c'est Lui qui va vous conduire vers le partenaire qu'il a pour vous. Ce ne sera pas quelqu'un de parfait, mais ce sera le match pour votre appel. Donc, on va laisser tous les équipés de prière s'avancer maintenant et que vous puissiez recevoir l'espérance, la prière, l'amour, tout, tout ce que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui maintenant. Voilà, on vous aime fort, on vous bénit.